Le Rwanda, souvent appelé le « pays aux mille collines », est reconnu pour sa beauté naturelle époustouflante qui attire les touristes du monde entier. Parmi ses trésors, on compte les majestueux volcans, les parcs nationaux comme l'Akajra et Nyungu, ainsi que ses riches traditions culturelles. La capitale, Kigali, se distingue par sa propreté et sa verdure, avec ses jardins luxuriants et ses avenues arborées qui séduisent les visiteurs dès leur arrivée. Si l'on s'aventure plus loin, à environ 150 km au sud de Kigali, se trouve le district de Nyaruguru, une région surnommée la « Terre sacrée » grâce au célèbre village de Kibo. Ce lieu est reconnu mondialement pour les apparitions de la Vierge Marie à trois jeunes filles en 1982. Aujourd'hui, un sanctuaire et un couvent y attirent des pèlerins du monde entier, désireux de prier et de découvrir ce site spirituel unique. Igihugu cy'Ubutaliyani ba mu kigo cy'abamonaki cyari ya kabiri nigiye yiyeretse mu butumwa bwo kuguma hano kugeza igihe azashakira. Ansaba gusenga cyane, ansaba kwakira ububabare, nkongerera nsabira abanyabyaha guhinduka. Yereka wa gatatu witwa Marie Claire Kangango, nawe yarize ararangiza, arakora akazi, arashyingirwa, abana n'umugabo i Kigali. Ariko amahano y'ibihumbi 94 y'ubwicanyi ndengakamere arabahitana bose barapfuye. Le district de Nyaruguru offre également des merveilles naturelles, notamment le parc national de Nyungu, réputé pour son avifaune exceptionnelle. Il abrite des centaines d'espèces d'oiseaux endémiques, en faisant un paradis pour les amateurs d'ornithologie. Une autre attraction populaire du parc est la passerelle suspendue dans la canopée, offrant une expérience inoubliable aux visiteurs. Outre ses richesses naturelles, Nyaruguru est aussi un berceau de la culture rwandaise. Le mont Gitara, situé dans cette région, est le lieu d'origine de la danse des élites, une danse traditionnelle qui célébrait les victoires militaires dans les anciens palais royaux. Les visiteurs peuvent également découvrir l'histoire fascinante du Rwanda en visitant les sites culturels locaux, notamment les anciens bureaux royaux. Pour les amateurs de paysages spectaculaires, la région regorge de merveilles comme la pierre de schiste, un immense rocher qui offre une vue impressionnante. Nyaruguru est également célèbre pour ses vastes plantations de thé, dont les collines verdoyantes s'étendent à perte de vue, offrant un paysage à couper le souffle pour les visiteurs. Enfin, le district abrite également le Tché du Nil, situé sur le mont Gizek, où les rivières Mogo et Akanyaru se rejoignent pour former l'une des sources du Nil, le plus long fleuve du monde. Ce site naturel est un autre incontournable pour quiconque visite la région. En somme, le district de Nyaruguru est une destination incontournable pour les voyageurs au Rwanda, combinant histoire, culture et nature. Si vous visitez le Rwanda, une halte à Nyaruguru vous laissera des souvenirs impérissables.